C'est aujourd'hui l'entrée en lice pour ces deux équipes dans cette Europa League. On va suivre ce match très important. Dans un instant, Villarreal affrontera les Rangers. Salut tout le monde, salut Pierre. L'UEFA Europa League au menu aujourd'hui avec un match de la phase de groupe. Et entre deux équipes qui vont vouloir prendre le maximum de points, bien sûr. Elles ne partent pas toutes à armes égales. Et on va voir comment ça se passe entre ces deux-là. Le match que nous allons suivre aujourd'hui, c'est Villarreal face aux Rangers. Pierre, c'est la première journée de cette UEFA Europa League. Pour certains, les locaux vont terminer à la première place du groupe. Partager cet avis. À mon avis, Hervé, le favori, on l'a sous les yeux. Et aujourd'hui, il joue en plus à la maison. Une composition d'équipe qui laisse penser que le pressing va être constant, que l'adversaire va avoir du mal à respirer dans ce match. Ouais, ceci dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est très possible. De nos jours, si tu ne cherches pas à récupérer le ballon rapidement, tu es vite en danger. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Les joueurs qui sont donc alignés en 4-3-3 aujourd'hui. Avec un trio d'attaquants proche de l'axe pour pouvoir multiplier les permutations. Cette première rencontre de la phase de groupe de l'UEFA Europa League qui vient de débuter. Et avec ce premier ballon, c'est un mini championnat de 6 journées qui débute. Pablo Fornals, il cherche à alerter Bacca sur ce centre. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Santi qui sort là. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Ryan Jack. Oh, que c'est bien donné ça. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Ah, il est à l'interception. Sébastien Coates. Paulo Costa. Manu Trigueros. Les 30 derniers mètres. Le ballon va être en touche.
Manu Trigueros. Pablo Fornals. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Oui, c'est un brillant technicien, très agile avec le ballon et un excellent dribbleur. Carlos Bacca. Ouais, la frappe loin. Ouh, à quelques centimètres. Pas mal fait sur le plan technique. Il a manqué un petit brin de réussite. Un peu loin peut-être quand même. Hein. C'est bien d'avoir essayé quand même, si ça rentre, on crée au génie sur ce genre d'action. Faut pas trop lui en vouloir. Scott Arfield. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre. Ouais, lumineux cette passe. Et cela ne donnera rien du tout. Ah, ils étaient sous pression. Ils dégagent. Pablo Fornals. Carlos Bacca. Attention à la frappe. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. Sur ce ralenti, c'est encore plus net. On voit le ballon qui vient toucher le poteau avant de finir par entrer. À quelques centimètres près, ça sortait, mais le buteur a eu cette chance. On vient de voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Davis. Ryan Jack. Alfredo Morelos. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle et qui va le prendre. Pablo Fornals. Gérard Moreno. Ah oui, c'est bien fait ça. L'action n'ira pas plus loin. Santi qui sort là. Allez, touche. Ryan Jack. Oh, il n'est pas avec un tir. Gérard Moreno. Carlos Bacca. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Tranquille Cazorla. Pablo Fornals. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Ouais, corner. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Mauvaise relance. Très mal donné, hein, ce ballon. Il s'échappe tout seul, balle au pied. German Defoe. Oh, c'est le gardien qui a le dernier mot. Eh bien joué, Pierre. Hein. Oui, il n'a pas offert de solution à l'attaquant. C'est bien joué. Le corner en direction du point de pénalty. Et il dégage. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Profondeur, oui, bien vu. Le ballon appelle le bal. Il cherche à alerter Bacca sur ce centre. Ouais, c'était pas loin, mais le ballon est dégagé finalement. Gérard Moreno. Le tir. Ouh, ça passe juste au-dessus. Ouais, dommage, c'était bien vu.
Du Cazorla. Pablo Fornals. Manu Trigueros. Alfonso Cabrera. La petite passe en cloche. Allez, dans l'espace. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Santi Cazorla. Et la voilà la frappe. Oh, le poteau! C'était vraiment la balle de match, mais finalement, toujours un but d'écart grâce à l'intervention du montant. Le ballon qui change de position. Allez, Cazorla, c'est dangereux. Santi Cazorla. Oh, l'arrêt du gardien, magnifique! Ah, c'est incroyable, Hervé. C'est un arrêt de handballeur qu'il vient de nous faire. Super! Corner adressé au niveau du point de pénalty. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Pablo Fornals. Carlos Bacca. Passe en profondeur. Il va pouvoir centrer. Le gardien qui écarte le danger des points. Il choisit la frappe. Il vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. Santi Cazorla. Ah, c'est une belle abnégation hein, chez ce joueur qui a fait l'effort. Jermaine Defoe. Il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Manu Trigueros. Carlos Bacca. Davis. Ah, la passe en profondeur, attention. Ah oui, hors jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Cazorla. Pablo Fornals. Manu Trigueros. Alfredo Morelos. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Santi Cazorla. Scott Arfield. Alfredo Morelos. Candeias. Ryan Jack. Diamant de Faux, la frappe. Ça va être un corner. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Très mal donné hein, ce ballon. Ah, il va centrer. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Peut-être qu'il n'inquiète pas trop le gardien. Et il donne un ballon piqué. Oh là, un petit peu ambitieuse, là, peut-être, la volée. Ouais, bah, tu vois, là, tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Alfredo Morelos. Jermaine Defoe. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Extraordinaire, hein, le premier arrêt du gardien. C'est l'arrêt décisif hein, de cette action, le tout premier. Ouais, s'il l'avait capté du premier coup, c'était encore mieux. Mais bon, il a bien assuré dans l'ensemble.
L'égalisation ne sera pas pour tout de suite. Le gardien vient de réussir un arrêt exceptionnel là. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Alors le Colombien Carlos Bacca est titularisé en attaque. Qu'est-ce que vous diriez de ses 45 premières minutes de jeu pour lui? C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Cette première rencontre de la phase de groupe de l'UEFA Europa League qui vient de débuter. Et avec ce premier ballon, c'est à... Carlos Bacca. Ah, la frappe lointaine. Ouh, à quelques centimètres. Pas mal fait sur le plan technique. Il a manqué un petit brin de réussite. Pablo Fornals. Carlos Bacca. Attention à la frappe. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau, mais ça termine dedans. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. German Defoe. Oh, c'est le gardien qui a le dernier mot. Eh bien joué, Pierre. Hein. Oui, il n'a pas offert de solution à l'attaquant, c'est bien joué. Moreno, le tir, ouh, ça passe juste au-dessus. Ouais, dommage, c'était bien vu. Ah, le Cazorla, c'est dangereux. C'est un petit Cazorla. Oh, l'arrêt du gardien, magnifique. Ah, c'est incroyable, Hervé, c'est un arrêt de handballeur qui vient de nous faire, super. Ryan Jack, German Defoe, la frappe. Ça va être un corner. Donne un ballon piqué. Oh là, un petit peu ambitieuse là, peut-être la volée. Ouais, alors, tu vois, là tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Début de la seconde période, l'impression Pierre. Ah, j'espère simplement que les joueurs sont revenus sur la pelouse avec les mêmes intentions offensives qu'en première période. Un petit casard là. Stanislav Lobotka. Attention à ne pas commettre de faute. Les 30 derniers mètres. Ouais, très très beau geste défensif. Ça va être compliqué. Ah, la bonne qualité de ses passes. Oh oui, encore une bonne passe. Santi Cazorla. Alfredo Morelos. Ouais, lumineuse cette passe. Allez, attention, corner qui va donner à l'équipe l'occasion de recoller au score. Les supporters qui aimeraient bien que cette domination se traduise par un but. Attention à ce corner. Il a cherché le point de pénalité. Paulson, c'est pour le gardien. Il faut un peu de la passe à 10 là. Ce serait bien qu'il passe à autre chose maintenant. Santi Cazorla. Stanislav Lobotka.
Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, le bon ballon, peut-être un but là de Bacca. Oh, elle passe tout près du cadre cette reprise. C'est pourtant très bien exécuté, avec un peu de réussite, c'était au fond. Son duel. Ah, il est facile là. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Il faut que ce soit Grassin. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. C'est un petit casard là. Ouais, belle séquence de possession dans la moitié de terrain adverse en plus. Le défenseur qui rend le ballon. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe complètement à l'adversaire direct. Il récupère le ballon sur cette interception. Davis. Un petit casard là. Gérard Moreno. Oh, personne pour l'arrêter. Attention. Albert Ellis. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Un exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Et voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Alfonso Pedraza, Santi Cazorla, Manu Trigueros. Santi Cazorla. Oh, la mauvaise passe, il ne l'a pas regardé où il la mettait. Alfredo Morelos. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Ouais, bon arrêt, tranquille sur cette tête. Alfonso Pedraza se contente de faire circuler le ballon, à toi, à moi, et l'adversaire, il faut bien le dire, laisse faire. Mario Gaspar, Santi Cazorla, Stanislav Lobotka. Intervention vraiment. Pas facile, la frappe était trop lointaine pour inquiéter le gardien. Ah, il est à l'interception. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain. Devant son. Ah, la bonne inspiration sur cette passe. Jermaine Defoe. Oh, le gros exploit personnel, attention. Et il échoue sur le gardien. C'est une belle situation de contre. Stanislav Lobotka. Carlos Bacca. Gérard Moreno. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Ouais, il peut réduire l'écart là. Ah, c'est une belle occasion de revenir hein, qui s'envole. Ah, et l'adversaire conserve son avance. Manu Trigueros, Santi Cazorla. Elle est en pleine euphorie. Oui, du coup, il tente des choses. Un ballon récupéré par l'adversaire.
On écarte le jeu. Manu Trigueros. Stanislav Lovotka. Allez, c'est donné par-dessus. C'est toute l'aile qui s'est ouverte devant Villarreal. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Carlos Bacca. Attention à la frappe. Ah, ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. Bah, c'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture, je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Carlos Bacca. Tanté Cazorla. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Ils font tourner. Ils prennent leur temps. Alors que les minutes filent. Oh, que c'est bien donné ça. Il est débarqué, il est tout seul. Oui, idéalement servi. Attention. Ah, il dégage ce ballon. Stanislav Lovotka. Santi Cazorla. Gérard Mourinho. Allez, dans le couloir. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Oh non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Gérard Mourinho. Le ballon dégagé au large. Ballon qui est sorti en touche. Allez, du changement dans l'équipe des Rangers. Ouais, l'entraîneur qui préfère injecter du sang frais à ce moment du match. Santi Cazorla, Stanislav Lovotka. C'est quand même étonnant ce qu'on voit, une équipe qui ne se livre pas du tout. Murphy. Graham Dorans. Ryan Jack. James Tavernier. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Candeias. Alfredo Morelos. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Santi Cazorla. James Tavernier. Le dégagement du point du gardien. Le dégagement pour éloigner le danger. Allez, peut-être une bonne occasion. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Carterfield. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Oui, bien donné cette passe en profondeur. Le gardien qui repousse. Oh, il attrape le poteau. Et c'est terminé. L'arbitre vient de siffler à l'instant la fin du match et ils ont assuré l'essentiel en s'imposant dans ce match. Ouais, bon résultat. Bon résultat pour débuter dans ce mini-championnat. Déjà 3 points sur 3, c'est de bonne augure. Tiens, je voudrais qu'on revienne rapidement, si vous voulez bien, Pierre, sur le match de Carlos Bacca. Bon, le constat est assez simple pour lui, un but, quasiment un doublé. Il s'en est fallu de quelques centimètres, la photo poteau. Peu importe, son équipe a fait l'essentiel en s'imposant aujourd'hui.
Pablo Fornals. Carlos Bacca. Attention à la frappe. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. German Defoe. Oh, c'est le gardien qui a le dernier mot. Eh bien joué, Pierre. Hein. Oui, il n'a pas offert de solution à l'attaquant. C'est bien joué. Le ballon qui change de possession. Allez, Cazorla, c'est dangereux. Santi Cazorla. Oh, l'arrêt du gardien, magnifique. Ah, c'est incroyable, Hervé. C'est un arrêt de handballeur qui vient de nous faire. Super. Ryan Jack. German Defoe, la frappe. Ça va être un corner. Alfredo Morelos. Ouais, lumineuse cette passe. Allez, attention, corner qui va donner à l'équipe l'occasion de recoller au score. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, le bon ballon, peut-être un but là de Bacca. Oh, personne pour l'arrêter. Attention. Albert Ellis. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire. Mon... Oh, il peut réduire l'écart là. C'est une belle occasion de revenir, hein, qui s'envole. Ah, et l'adversaire conserve son avance.